Yeonse samrae tame ya ton fatilam dare a pascal waiti king defile alimat waiti king sauga yeonse samrae tame ya ton fatilam dare a pascal waiti king. Que pour les célébrations du 11 décembre, il a été mis en place un comité régional dans le cadre de ce 11 décembre. Et dans ce comité régional, il y a ce qu'on appelle la commission santé. Et cette commission santé est composée, j'allais dire, du personnel de santé du district sanitaire, de la direction régionale de la santé, du CHR, mais également des partenaires techniques comme la Croix-Rouge. Et également la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il faut dire que nous avons préparé en tout cas ce qu'il devait se faire. Et à ce jour, nous avons pu assurer la couverture sanitaire des différentes célébrations qui se mènent dans le cadre de ce 11 décembre. Et nous avons également pu assurer la couverture sanitaire des différents défilés qui se préparent à la faveur de la parade du 11 décembre. En assurant justement la présence des agents de santé, d'ambulance avec des intrants. Également, le CHR est équipé pour faire face en tout cas à toute situation. Également, à la faveur de l'hébergement, nous avons pu, avec l'appui des uns et des autres, nous avons pu assurer la désinfection de 29 écoles et de 348 salles de classe qui devaient abriter les plus de milliers de défilants à la faveur du 11 décembre. Et également, nous avons organisé plusieurs émissions radiophoniques. Nous sommes toujours là-dessus, nous sommes toujours en train de faire des émissions interactives où nous donnons des informations sur la COVID-19 et après, les participants peuvent appeler et nous primons justement ceux qui ont donné les bonnes réponses. Également, nous avons mis en place des centres d'animation pour donner des informations sur la COVID-19 et également sur la santé sexuelle et reproductive et nous faisons des distributions de préservatifs à la faveur en tout cas de ce 11 décembre. C'est vraiment de demander à la population prudence parce que c'est une maladie qui est toujours là. Il faut dire qu'à la date justement d'hier, on avait plus d'une vingtaine de cas de coronavirus actifs dans les 3 districts sanitaires. Et donc vraiment nous demandons à la population de respecter les mesures barrières, notamment le port de masque et également de laver régulièrement les mains et également d'essayer tant peu que ce soit en tout cas de respecter la distanciation physique et pour éviter en tout cas d'être contaminé et justement de pouvoir souffrir en fait de cette maladie.